dernière fois que je te prête ma caisse. Bon, j'ai compris. Non, mais t'as vu l'état de l'aile? Même un portugais, il pourrait pas ravaler cette façade, quoi. C'était un accident, c'est pas de ma faute, je suis pour rien, moi. Je te jure, c'est la dernière fois, vraiment. Je peux plus te faire confiance avec une voiture dans les mains. Je peux pas te faire confiance. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que moi, je ne pouvais pas te faire confiance. Redis-moi ça en face. Va te faire foutre. De ce matin, notre présidente Florence Reynaud s'est rendue aujourd'hui à Washington pour s'entretenir avec la présidente des États-Unis d'Amérique, Sarah Palin, à propos du G8 qui devrait s'y tenir prochainement. Il est également prévu qu'elle s'entretienne sur le problème de l'État islamique. Sur une note plus légère, le rédacteur en chef du magazine Lui a répondu à la polémique vis-à-vis de sa couverture de février qui, rappelons-le, présentait l'acteur Pierre Niney vêtu de simple... T'as l'air un peu pâle quand même, là. Tu faisais la sieste? Il t'arrive quoi là? T'es bizarre, t'es gentil. Ah non, je suis normal, pourquoi? Non, tiens, on peut aller prendre l'air. Si tu veux, ouais. Je te suis. Ouais. Oh, je t'ai pas dit, l'autre gars là. Matt. Oh gars, t'as le temps de papoter là? 30 secondes, 30 minutes, c'est toi qui choisis. Ouais, vas-y, retourne-toi là, à la politesse au moins. Non, vas-y, casse-toi en fait. Crois pas t'es beau, hein. Pauvre type. Hé! Salut. Ça va et toi? Ouais. Toujours bon pour ce soir? Ce soir? Ouais, bah tu fais ce que tu veux. Oui. Ok. Ouais, bah c'est bon. Ouais. Bon. Bah tout à l'heure. À ce soir. Hein. À ce soir. Tout à l'heure. Salut. Mais du coup, on lui a parlé gentiment, mais il s'est même pas retourné, il a eu aucune réaction. Hein? Oh, ah non, mais vraiment. Oh, oui. Mais Charlotte, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Bah, quoi, je ramasse? Tu vas quand même pas ramasser? Bah, si, c'est pas normal que je ramasse. Mais Charlotte, ça a toujours été comme ça, je vois pas ce qui laisse le faire. C'est pas à toi de le faire. Bien sûr que si, c'est à moi. Bien sûr que si, il est là, t'inquiète pas, il va le faire. Mais non, mais c'est à moi de le faire. Ça aurait été comme ça, Charlotte, laisse. Charlotte, mais non. Mais c'est pas la réalité, ça. Je suis dans un rêve. Franchement, je te jure, je crois, je vais aller sur eBay ou sur Amazon ou même sur le Bon Coin, tiens, et je vais taper, je vends ma petite femme, elle est mignonne mais elle est très très chiante, elle casse tout. Tu vas voir, tu vas partir en 10 secondes. Puis qu'est-ce que t'as là à te relever là avec du sang là, genre je t'ai fait mal. Je t'ai pas fait mal, ça, là je vais te faire mal. Je pouvais t'en foutre une, mais je voudrais pas mieux que toi. Tu mérites pas que je m'abaisse à ça. Tu penses que tu peux m'utiliser comme un objet? Me traiter comme une moins que rien? Et après que je te dise que tout va bien parce que je suis trop lâche pour te quitter. Non mais, sérieusement, tu te prends pour qui? Vous vous prenez pour qui, vous, les hommes? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir supérieur? On est quoi pour vous? Des bonnes qu'à nettoyer vos conneries, à rester gentiment là, à rien dire et à vous faire plaisir? On a beau regarder les choses en face, on n'aimerait pas vous voir à notre place. Vous seriez pas mieux, et on ne veut aucune domination, d'aucun des deux sexes. Je veux l'égalité, mais en attendant, cette vie-là, celle dans laquelle je me laisse dicter ma propre conduite, celle dans laquelle je laisse les autres prendre mes décisions à ma place, j'en veux plus, c'est terminé. Et je m'effacerai plus pour te faire de la place, je dis stop. Cette vie-là, pour toi, pour moi, pour nous. C'est fini. Se met-il à ma place, quelquefois? Quand mes ailes se froissent et mes îles se noient, je plie sous le poids de cette moitié de femme qu'il veut que je sois. Je veux bien faire la belle, mais pas dormir au bois. Je veux bien être reine, mais pas l'ombre du roi. Faut-il
que je cède? Faut-il que je saigne pour qu'il m'aime aussi pour ce que je suis? Je n'attends pas de toi que tu sois là même. Je n'attends pas de toi que tu me comprennes, mais seulement que tu m'aimes pour ce que je suis. Se met-elle à ma place quelquefois? Que faut-il que je fasse pour qu'elle me voie? Vivre l'enfer, mourir au combat. Veux-tu faire de moi ce que je ne suis pas? Je n'attends